Yo, salut les castors, salut les marmottes, comment ça va-t-il bien? C'est encore, c'est toujours, c'est de nouveau Momo au bout du micro et dans le magnéto pour une nouvelle vidéo. Donc cette semaine, je t'emmène avec moi pour une nouvelle aventure direction Moularès dans le Tarn, à côté de Carmont. Alors, à ce sujet-là, j'avais fait, parce qu'ils font deux randos dans l'année, il y a la rando du 15 août, c'est aujourd'hui, et la rando, je crois, c'est du 14 février, où là... Effectivement, 14 février, on se caille un peu plus les miches. J'ai failli mourir, moi, la dernière fois que je suis venu ici. Non, juste pour mémoire, je te mets le lien de la vidéo. Je crois qu'il va être par là. Va la voir, j'ai juste failli mourir. Je crois que j'avais demandé à Lolo, même, je sais pas, je crois, je suis sûr que j'avais demandé à Lolo à la fin de la rando d'aller chercher la voiture tellement que j'en pétais. Donc, n'hésite pas à nous dire ce que t'en penses. Allez voir cette vidéo, je te la mets par là. Et n'hésite pas à liker, commenter, partager, parce que ça nous fait énormément plaisir. Je tenais également à vous remercier. La vidéo sur la MB Race a été vue, je crois, 14 000 fois. C'est un truc de... Vous êtes des grands malades, quoi. Vous êtes des grands malades. Ça fait énormément plaisir de voir que ce qu'on fait, ça vous plaît. Alors, n'oubliez pas, likez, commentez, partagez cette vidéo. Ça nous encourage à vous en faire d'autres. Et aujourd'hui, nouvelle aventure, c'est parti. Let's go. Wouhouhou, je suis chaud patate. T'es prêt Marco? J'attends moi. Salut. Allez. Par où on part? Par où on veut, je sais pas. Mais c'est pas comme l'année dernière, c'est pas pareil. Non. Putain, on vient de décoller. Marco, il est en fire. Petite montée. On est parti à 3 km seulement. Et moi, bien sûr, j'ai oublié mon bidon d'eau. Apparemment, on part sur le 50. Comme un col, j'ai pas pris d'eau. Ah, ça se fout. Ah putain, je suis une quiche les gars, je suis une quiche, je vous le dis moi. C'est bon, c'est par là, les autres ils sont devant. Marco, il est en fire. Je sais pas avec quoi il a déjeuné, mais problème hein. Ah, il a la chaîne qui a sauté. La première fois. C'est toujours dur la première fois. Après ça va mieux, tu sais, la deuxième fois ou la troisième fois. T'es Marco, il nous attend pas hein. T'es venu pour te caresser la potence? On va pas se beurrer les plaquettes ici hein. Quelle potence? On est là pour envoyer du steak nous hein. Ah ouais, c'est toi qui dis ça. Ouais. Mais je t'ai laissé partir devant au début. Ça y est, je l'ai vexé. Ah, il est pas venu se caresser la potence lui hein. Oh Lolo! Attends! Attention, voiture, 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 voiture! Hop! C'est quoi Lolo? Marco, il est venu pour se beurrer les plaquettes, il m'a dit. Regarde que... Thank you.
technique. Attention. 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 Ça va ou pas? Ah, t'as bougé pas. Fais ça. Tu es content? Putain. Ça va? Ouais. Il a pris le rebord, je pense. Attention! Prends ton temps, prends ton temps. T'as ramassé les côtes, hein? C'est bon. Ouais. Voilà, Daniel. Attention! Ouais, ouais. T'as pris le caillou? Ouais. Dans les côtes, hein? Ouais. Ah, putain. Ah, la poitrine. Eh, ça a fait claque. Oh, j'ai entendu un bruit. Oh. En plus, moi, j'étais juste en train de dire. Attention! On est en train de se faire secouer les noisettes. Attention, reste pas là parce qu'il y en a qui arrivent et paye pour les gamelles. Je crois pas qu'il y ait du monde. Ah ouais? Marco, il s'en est pris une belle. Hein. C'est réveillé les Coustelous. J'espère que je l'aurai dans la boîte. Vous verrez, le type, c'est un guerrier. Il fait pas semblant. Hein. Quand il tombe, il tombe. Et il repart. T'sais, elle vient de piquer, les gars. Elle vient de piquer, cette montée. En plus, comme un con. Hein. Je me lève super tôt. Je prépare le matos. Je vous fais des plans de run. Hein. Et j'oublie l'eau. Truc qu'il faut pas oublier sur une rando, quoi. Hein. On part sur 50 bornes. On n'a pas une goutte d'eau, quoi. Encore une galère. Franchement, si vous êtes comme moi en VTT, moi je suis galérien. Il m'arrive toujours des merdes. Soit j'oublie un truc. Un jour j'ai oublié mon vélo, les gars. Un jour j'ai oublié le vélo. Allez, on trace les autres qui sont devant, il faut que je les rattrape. Wouhou! Thank you.
va ? J'arrive si tu veux. Bon, deuxième gamelle du parcours. Je crois que je l'ai aussi dans la boîte celle-là. Il se lide le gaillard parce qu'il est retombé exactement au même endroit, enfin sur le même. Apparemment c'est les côtes, ouais, au même endroit, donc apparemment là il a du mal quoi. Donc on va voir, je laisse partir un petit peu devant pour qu'il gueule tout seul. Je vais essayer de le rattraper et puis s'il faut le tirer, on va le tirer. Hein. Je crois qu'on a une corde, donc on va voir comment ça va se passer. De toute façon on est à 10 km de l'arrivée. Donc Marco, machine le gars, machine. Hein. Mais là ça commence des fois, il m'inquiète quand même, il m'inquiète. Allez, on continue les gars. On est rentré à la maison, on s'est régalé à Moularès. Alors moi j'avais un super mauvais souvenir de la rando du 14 février où j'avais failli être transformé en Eskimo. Voilà, donc là ça m'a réconcilié avec la rando de Moularès, on s'est régalé. Comme je te l'avais dit en intro de la vidéo, on n'est pas venu pour se caresser la potence ou se beurrer les plaquettes. On a fait le 50 km en à peu près 3h30, pause comprise, avec tous les ravitaillots, et pour presque 1300 de dénivelé positif. Donc c'était, voilà quoi, je sais pas avec quoi ils déjeunent les autres, moi j'étais toujours derrière, de toute façon je ferme la marche. Et puis ça permet de filmer les gamelles de Marco, malheureusement pour lui, donc j'espère que Marco il nous mettra en commentaire. Il nous donnera des nouvelles parce qu'il en a quand même pris deux belles. Je crois qu'il s'est fait quand même un petit peu mal. Il a fini au mental. C'est une machine le type, une machine. Donc maintenant, n'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu, si t'es arrivé à suivre la vidéo jusque-là. Ça me laisse le temps de faire la conclusion. Comme ça, toi, tu mets le petit pouce bleu. Tu actives la petite cloche pour recevoir les notifications parce que là, je vous prépare quand même une belle vidéo en solo qui devrait bientôt sortir. Je ne sais pas encore quand, mais de toute façon, on se revoit très rapidement pour de prochaines aventures. Salut les castors, ciao les marmottes. Ouhouhouhou.